para el pato. C'est la Cup Mimorabu. Extraordinaire, qu'allons-nous voir ce soir? C'est une équipe jaune contre une équipe rouge, contre une équipe verte, contre chaque équipe a sa couleur, chaque kazakh, chaque toile a sa couleur. Un objectif, arriver premier au Sable d'Olonne pour ne pas risquer l'élimination. Sur, peut-être, il y a peut-être une éventualité, peut-être une immunité, en laissant un commentaire sur YouTube. Voilà, ça servira peut-être de statuette. Bon, les skippers sont venus tous ici pour vivre. Oh là là, fais attention Michel. Oh, Denis, oui, bah, je suis un cousin Denis, mais la voix je l'ai pas. Bon, on est tous venus ici pour vivre une aventure extraordinaire, un dépassement de soi. Mais oui, c'est tout. Bien sûr, c'est le Vendée Globe, on est sur VR, ça ne rigole plus. Regardez un petit peu, et voilà, on va voir le palmarès de tout le monde. Mais la première place ce soir, le 2 janvier 2021, à 21h20, c'est ma filleule. C'est ma filleule. Bravo, ma filleule. C'est extraordinaire. Quelle aventure! Voilà, mais je répète que tout le monde a encore leur chance. Mais attention, attention, le défi est de taille. Il va falloir s'adapter à la météo, bien sûr. Il y a autre chose, au piège machiavélique, à l'amitié, à la vengeance, à la haine, à l'alliance, à la stratégie qu'on peut avoir dans certains, je ne dirai pas de qui, je n'annoncerai jamais personne. Comment gérer ces angoisses? Bon, j'ai fini mon intro, elle est longue, et alors? Bon, ce n'est pas la boîte tout à fait de Denis, mais je suis imitateur professionnel en chômage. Voilà, donc la compétition sera acharné, hein, vous êtes tous d'accord. Eh bien, écoutez, ben, j'ai terminé l'intro, que le meilleur gagne, surtout que le meilleur skipper. Et attention, il y aura toujours une chance, hein, ça, on vous en est bien conscient, qu'il restera la chance du tirage au sort. Bien sûr, pour les plus fidèles, ça, on va pas en revenir, tous les aventuriers sont prêts à jouer le jeu, prêts à donner leur vie pour avoir une cocotte. Ah, oh, une cup, il m'aura vu. Et l'intro, je suis crevé, les gars. Bonsoir à tous, Valentina 1er, ah on a dormi une heure de plus, 1667e, c'est extraordinaire, je ne dirais pas mieux, c'est magique, c'est, je n'aurais jamais cru ça, bravo ma filleule, deuxième place, tout, Max qui est franchement toujours aussi présent, 3000 c'est ça, 3455e, troisième place Capitaine Zlatan, quatrième place Big Flo, bonne année à Capitaine, c'est vrai, Big Flo, bonne année, 8000. Bah, et la cinquième place, c'est et Tendance Inox. Oui. Qu'as-tu donc dans ton panier? Ah, c'est beau ça. De l'inox, qu'as-tu donc dans ton panier? De l'inox pour Tendance. Michel, attention, tu dérapes. C'est une aventure extraordinaire, vous voyez. Les rouges, les verts, après je dirais Déméa, bien sûr. Et Élevage Borget qui ne lâche rien, car c'est pas un jeu de confort. Il a trouvé la technique. 8347. Et attention, c'est un sportif, donc il a l'esprit pour eux. Gros Babas, toujours présent, toujours constant. Moi, je dirais 15 000, c'est extraordinaire. Le Boss, c'est une remontée aussi. Je pense qu'on verra ça dans les annales. Et non dans les annales, hein, bon. Pas trop de gros mots, nous sommes le 2 janvier. 16 000, mais c'est extraordinaire. Regardez, il remonte presque. Mais, non, mais moi, je ne sais plus quoi dire. Momo aussi, c'est pareil. Il a fait un retour en flèche. 31 000. Bon, moi, je suis parti dans les choux-fleurs. Bon, enfin, je suis 46 800. Je fais n'importe quoi. J'aurais dû virer. Mais bon, je fais ce que je veux, déjà. Voilà, hein, chaque expérience compte. Même si j'en ai pas d'expérience. Ah là 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 là, la vieillesse, c'est un cauchemar. Skipper 42. Mon cher collègue,
Eh oui, 47 756. 47 000, et moi je suis 46 800. Ouais, mais bon, là, oui, bravo, bravo, bravo à toi. Je m'entête, donc je pense que tu vas remonter. Albator, 51 000, qui a fait demi-tour. Après, nous sommes donc avec France Espoir 13 qui vient de passer le Cap Horn. Comment vas-tu, France Espoir 13? Oui, comment? Dans le temps, même le futur était mieux? Tout à fait, France Espoir 13, tu as tout l'avenir devant toi. Voilà, bravo à toi. Ah, on n'a pas vu ta place. Bon, c'est toujours 61 000, 62 000. Ah, 61 000. Vous voyez, c'est dingue, mais c'est super dur. Hein, autant des fois ça marche, mais là c'est qui ça? Qu'est-ce qui c'est ça? C'est Gigi Lamoroso, 83 000, qui a fait. Armen, un petit coucou à Armen, qui nous a rejoint. Bon, qui participera à la prochaine cup, bien sûr, mais c'est sympathique de sa part. Attention, équipe rose. Oh, il y en a du bateau là. On en a plusieurs dans la team. Bon vent à toi, en tout cas. Tu as niqué Poun, c'est toujours ça. On est très content. Voilà, on n'a aucune, bien sûr, aucune rancœur envers notre Poun national. Lico, 114 000, identique. Et Ronil, bah, se remet difficilement du cul de l'an, du 1er janvier, avec un mal de crâne. C'est pas facile à gérer tout ça. C'est pas facile, pas facile. Là, nous avons donc la Simonnière qui m'a dit qu'il ne pouvait plus saquer Noël. Mais je le comprends bien. Après, le combat, le fameux duo Giga 7. Ça, c'est terrible, ça. Giga 7, le 7-33, moi, je ne sais pas. Bon, j'ai mis une pièce. Hein, je ne vous cache pas que Giga 7, oh là là, j'ai filmé comment? Oh, ben, je recommence pas. Hein. Oh, ça a l'air d'être de loin, ça. Giga 7, combien? Giga 7? Giga 7 263 000 et le Celt 264 000. Donc Giga 7 tient le choc et bah, le Celt aussi, un bon vent. On est dans un esprit de la nouvelle année. Donc voilà, on tire la fève, on tire les rois. Gagan fait ce qu'elle peut. Là, je ne sais plus qui c'est. C'était, je ne sais plus. C'est pas facile avec les noms là. Hein. Voilà, bon. C'est tout, ça s'arrête là. Et alors attention, piège, Brésil, bon bah Brésil, qui est un petit peu, voilà, un peu, il fait ce qu'il peut, Brésil. Voilà, vous énervez pas, les gars, bon Dieu, le rhum c'est bon, bon, je risque d'avoir un pouce rouge encore. Le rhum c'est bon, mais arrête de boire. Hein. Bon, alors attention au piège, on revient à peu près à notre cup, je sais pas, il y a combien de minutes que je filme. Regardez, bon, je tiens mon micro, je m'en fous, je fais ce que je veux, c'est mon micro. Coin coin, apparemment, je préviens ceux qui sont en tête de la Cup Imorbu, dont ma filleule, que Coin Coin aurait posé des mines. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Quel aventurier! Ça. Donc faites attention, parce que je lui ai filé un petit billet, je l'ai appelé. Méfiez-vous. Voilà, écoutez, on va voir quelques bateaux. On va terminer avec une petite musique. Je pense quand même que, hein, y a un effort. Y a de la poésie dans la Cup Imorbu. On se bat quoi? Pour la cocotte, pour la cup. Qu'as-tu donc dans ton panier? Une cup, qu'as-tu donc dans ton panier? Une cup de chez Mimo. Vous rendez compte que vous allez pouvoir après frimer avec votre panier quand vous irez faire les courses? Avec une belle cocotte et une belle cup? Enfin, une belle cup. Bref, ce n'est pas tout à fait de l'or. Je vous embrasse très fort, mais de toute façon, on se rejoint tout de suite, hein, parce que de toute façon, on a le temps. Le temps est quoi? C'est rien le temps, voilà. Mais oui, il y en a qui disent, boss, le temps et l'usage rendent l'homme sage. Oui, c'est ça, mais écoute, sur ton nez, ça prend une paire de Ray-Ban. Le temps dévore tout, moi j'ai dit, ouais. À moi c'est terminé. Hein. Plus tu vieillis, plus tu te chies dessus. Voilà. Bon, sur ce, c'est une poésie de Michel. Je ne sais plus quoi dire. On va aller voir un bateau parce que je suis épuisé, les gars. On est le 2 janvier. Bon, allez, on a un peu d'énergie. Bon, tiens, allez, allez, allez. Faut tenir encore quelques jours, les gars. J'ai trop saigné, j'ai trop dépensé dans la gueule. Y a toutes les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en fraude. Des chaînes de coton dans ma mémoire. Ça, 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 ça
la lune. Ah, oh, mon cousin, ça nous rappelle la musique. Ils étaient combien? On sortait de boîte, ils étaient 100, je crois. Je me rappelle, tu avais le bras dans le plâtre. J'avais une... Ouais, c'est ça. Et moi, j'avais les yeux... Ouais. Ah, c'est terrible. On leur a mis une tôle. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Bon, roi des globes, ah, tu parles. Mon Dieu, on marche avec des cannes. Allez, c'est parti, mon kiki. On lâche rien quelques jours. Oh, quelle est belle la lune. On y a été, rappelle-toi, mon cousin. On y a été un soir, oui. On était à Oudon, on a pris le corps, on est monté à la lune, on est redescendu. Ah, c'était terrible. Allez mon collègue, allez skipper. Allez Jérôme. On a lancé le big bisou. Big bisou en anglais. Allez, big bisou, c'est parti la fête, les gars. Donnez-vous un baiser, moins de temps. Je vous ai dit, Craig. Mon grand-père, j'ai une tellement de manières qu'il mettait parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Passé. Bonne année, mon poteau. Croyez-vous. Bisous Lico. Sur la main. Sur la main. Style ancien. Style ancien. Appelez tout. Attention, sur la main. Allez Renan. Embrassez-vous. Et Renan, la dernière fois que là je vais rattaquer le sport. Stop. Bisous. Je vais racheter le journal d'équipe. Bisous. Juste après. De plus près. De plus près. Allez, bisous, bisous. Allez, on s'embrasse tous et on fait un cluster. Oh, arrête Michel, c'est pas... Oui, bon, pardon, on peut déraper. Hein. Big bisous, les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. On pensait que les bébés... Allez, c'est la fête, les gars. Ah, la maudite cocotte, il y a dans mon lit, je veux dire, je vais venir à coup de pont dans le cul. Et on s'en fout. Big bisous. Bon ça, Michel, c'est bon, t'es une vedette, t'es une vedette, t'es une vedette, t'es une vedette.